Bonjour, aujourd'hui je vous ai réalisé un jeu d'observation pour les petits. Voilà, nous allons passer aux explications. J'ai choisi donc une boîte d'œufs. Je n'avais que 6 emplacements pour les œufs. Vous pouvez prendre plus petit ou plus grand. Voilà. Alors, j'ai prévu à l'intérieur une carte. Cette carte, j'y ai placé des formes identiques mais des couleurs différentes. Voilà, sur cette carte, j'ai réalisé aussi une petite languette qui permet de pouvoir retirer facilement la carte. Voilà. Et donc, à l'intérieur, je dois placer les couleurs comme indiqué sur le modèle. Il y a plein d'erreurs, donc je vais rectifier. Celle-ci est bonne, celle-ci ne l'est pas. Je la retire. Celle-ci ne va pas non plus. Hein. Vous voyez, si je superpose ma carte, je vois que les couleurs ne correspondent pas. Je vais retirer. J'ai des grands doigts. Résultat, j'ai du mal à attraper. Voilà. Là, c'est du blanc. Là, le bleu ne va pas non plus. Françoise, je retire. Faudra faire des carrés un petit peu plus petits. Et le vert, eh bien, il n'est pas à sa place non plus. Le vert, il est posé à côté du blanc, en haut. Le noir est posé en haut, à côté du vert. Le rose, sous le vert. Et le bleu se place sous le blanc. Voilà, j'ai réalisé une première carte. J'en ai réalisé une autre série avec des couleurs. En marque carte, elle peut être dans un sens comme elle peut être dans l'autre. Voilà. L'enfant doit chercher ce qui correspond. Toc, toc, toc. Il est là. Il va en bas. Oh, en bas. Ah non, c'est du rouge. Celui-ci est rose. Le vert. Le bleu. Et le rouge. Voilà, gagné. Si je retourne ma carte, tout est faux. Je dois recommencer. Voilà. Ça pourrait plaire aux plus petits. Alors la réalisation, peut-être qu'il faudra la faire faire par quelqu'un de plus grand. Voilà. Et on va retourner. Hop. Elle veut pas sortir. Voilà. Et voilà. Et si l'enfant se trompe, eh bien, il a le droit, hein. Il cherche, et il finit par trouver. Voilà. Et j'ai également réalisé la même chose, mais avec des formes, uniquement des formes. Voilà, je vais retirer tout ça. Pouvez trouver des petits objets si vous les avez en double. Voilà, les formes. Le rectangle est en bas. La croix est là. Le losange est en bas. Le triangle, le carré et le rond. Il n'y a pas d'erreur. Je peux recommencer autant de fois que je veux. Et vous pouvez également créer d'autres cartes avec d'autres idées. Voilà. Je vous laisse à votre imagination. Bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt.